Salut les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Lorenzo Insigne qui pourrait débarquer au FC Barcelone. Mais avant de parler d'Insigne qui est selon moi un très très bon attaquant, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important frérot, c'est pour ne rien rater, je compte sur toi. Et nous les mecs, on est parti pour parler de Lorenzo Insigne au Barça. D'après les informations de Sport Italia, Lorenzo Insigne, l'attaquant de la Squadra Azzurra et du Napoli, serait sur les tablettes du FC Barcelone alors que son contrat court jusqu'en juin 2022. Il y a quelques jours, Juan Laporta, le président du Barça, annonçait 3 ou 4 nouvelles signatures supplémentaires après les recrutements de Memphis Depay, Eric Garcia, Emerson ou encore Sergio Aguero. Les Blaugrana entendent bien poursuivre sur leur lancée. De ce fait, plusieurs pistes sont exploitées pour venir grandir l'effectif de Ronald Koeman, à commencer par l'Italie et la Serie A. De l'autre côté des Alpes, Sport Italia informe que le FC Barcelone serait très attentif à la situation de Lorenzo Insigne, vainqueur de l'Euro 2020 avec la Squadra Azzurra. L'ailier gauche de 30 ans, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Napoli, pourrait quitter le club de Vesuve cet été afin d'éviter de le perdre libre au mercato estival 2022 en cas de non-prolongation. Sans dire les gars qu'un facteur important pourrait favoriser le Barça dans les négociations, la non-qualification de Napoli pour la prochaine Ligue des Champions. Malgré tout, Lorenzo Insigne, natif de la région, est une idole à Naples, au club depuis plus de 10 ans. Difficile d'imaginer l'international italien quitter son club de cœur. Voici en tout cas les gars pour cette petite vidéo Mercato, plus précisément sur Lorenzo Insigne à Barcelone. J'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'habitude, pense à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, c'est très important frérot. Je compte sur toi. J'ai envie de te dire à la prochaine. Salut!